Les plumes de mon pays, c'est une manifestation culturelle organisée pour la première fois en Algérie et en vue d'intégrer bien sûr la dimension culturelle nationale dans le système éducatif. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabrit, a justement assisté aux éliminatoires de cette compétition. Tchèzia Bayo. Le coup d'envoi de cette manifestation du savoir a été donné par la ministre de l'Éducation, Nouria Ben Rabrit, qui a rappelé la nécessité de faire connaître à la jeune génération le patrimoine littéraire national. Cette manifestation a pour objectif d'encourager les élèves à lire les ouvrages de notre patrimoine littéraire dans toutes les langues, ce qui permettra de découvrir les jeunes talents novateurs dans le domaine de l'écriture, et cela depuis leur début scolaire. La ministre de l'Éducation a insisté sur le fait que cette manifestation n'est pas un concours, mais plutôt un événement à la lecture et à l'écriture. L'idée est magnifique d'avoir mis en place afin de gratifier les enfants pour l'écriture. Anna, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet à tous de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner cours à son inspiration et c'est vraiment bien. C'est bien organisé, c'est vraiment bien. 250 000 élèves des trois cycles à travers le territoire national participent à cet événement et les meilleurs d'entre eux seront récompensés en publiant leur récit au Salon international du livre le 1er novembre prochain, date de la phase finale